Oui. Et Premier ministre Jean-Michel Lapin. Jean-Michel Lapin. Ancien ministre culture. Premier ministre, comment nous y est? Bon, nous là, nous avons timbé, nous avons salué tout le panel là, tous les amis qui sont sur le panel là. Et puis nous avons salué tout auditeur, auditrice, fidèle, qui toujours branché chaud ça, qui est très instructif aux populations, ni en Haïti ni à l'étranger. Donc, moi, ouais, d'hier à aujourd'hui, et que la presse, bon, c'est travail, c'est responsabilité pour aider les populations à comprendre. Et puis donc chercher une vérité. Donc de Radio Galaxy passé par Radio Mega et soit arrivé jeudi à ce nous-mêmes, nous cherchons une vérité autour de une liste et qui a circulé avec une série de noms là d'ailleurs. Correct. Donc on va dans liste, on va dans question au Premier ministre. Super, mais fini, vérité ça, c'est chaque monde qui est dans l'ISA qui a une responsabilité pour le porter de la population. Okay. Donc, nous-mêmes, Jean-Michel Lapin, ancien Premier ministre, qui vient depuis 3 ans, qui travaille, réfléchit avec mon équipe monde ouais. pour porter une alternative de la population. Correct. Donc, nous n'avons aucune dynamique à court terme. Okay. Nous-mêmes, okay. nous n'avons pas inscrit comme candidat. Premier ministre. Ouais. 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 Nous n'avons pas candidat okay. à poste de Premier ministre jeudi à là. Donc, comme Radio Galaxy dit, c'est une source en, dans CPA qui confirme ça. Donc, nous avons dit ce ça, c'est il manque de l'eau là-dedans. Il va aller de l'eau. Moi, mais ça. Au lieu de chita, y a la gizène en opinion. Hein, pour qui ça, y'a pas monté un système de communication pour dire peuple par rapport à problème, monde et grecier à confronter Jodia. Hein, monde bel air, monde fond national, parce que Jodia, c'est responsabilité. Hein? Pour y parler avec peuple pour dire qui ça va faire. Donc nous-mêmes nous constatons au niveau CPA il y a un déficit de communication, il y a pas capable de gérer l'état surtout dans les affaires sécurité publique, n'a communiqué pour y a déplorer même à tout le monde. Donc ça m'a dit une forme de communication moi que si on vient parler à Louko avec Isaïe avec tous les amis dans le panel là et d'autres professionnels qui dans la presse là peut-être yo capable ba yo un format de communication qui est adapté à sa peuple là d'où étendre semaine ça et cap porter solution à problème yo. Donc encore une fois nous pas déposer pièce nous pas candidat ou pas candidat dans poste pour poste premier ministre ou clair mais pas candidat pour poste premier ministre nous pas porter pièce dans primature. Nous pas passer devant primature même pour l'état nous puis on t'a dit ces pièces nous sont déposées. Correct. Donc Jean-Michel Lapin a une dynamique à long terme côté qu'il va proposer by nation une alternative qui va déboucher sur le développement socio-économique pays ça. Très bien. OK, merci en pile pour clarification donc ancien premier ministre Jean-Michel Lapin en aller qu'on y a sous actualité à qui lecture de la situation je dis. Bon, le type par moi nous exprimé déjà. Un, et nous pensons que les gens internationaux ont exprimé ça, que ce faut que son solution haïtienne pour qu'il y ait la crise là. Mm-hmm. Malgré nous-mêmes, nous t'ai toujours dit une solution haïtienne qui a une solution politique, qui mm-hmm. à chaque fois nous dans la situation ça, il a toujours priorisé lui, il n'a jamais porté aucune solution. Nous connaissons tout ça qui est passé déjà. Malheureusement, nous venons avec encore une solution politique, un CP. Et il faut que nous ne continuions pas à garder chaque conseiller, à nous garder des dos de chaque conseiller. Quoi? Donc, ce bataille électoral qui déclaré, côté un ensemble de partis politiques, hein, organisations politiques, si nous avons dit, sur 9 mondes qui sont CPA, il y a 8 au moins qui ont une mission. Hein, pour y contrôler l'appareil de l'État, pour y un groupe monde qui est capable de faire même mise de l'élection. Même Abdi, je dis bien compté, mal calculé. Et fois ça, bagay la pape kachita sur un slogan politique, ouais. Il va kachita sur poté bourré,
on a renouvelé mauvais système politique qui depuis plus que 70 ans mène un pays à côté lié là aujourd'hui. Quoi ça, lui doué nécessairement un discours d'engagement. Jodi a même gens que nous même n'a fait le mouvement politique la nouvelle orientation et nous dit déjà pour faire réforme l'administration publique, l'entreprise publique, pour nous capables d'adapter l'institution, fonctionner l'institution à la réalité communauté, on nous dit, mais ça nous va le faire. Nous dit déjà pour faire sécurité, mais qui ça nous va le faire. Parce que Gombaga est scientifique et qui est universellement reconnu pour construire une nouvelle cité, pour développer en même temps monde. Ensemble avec base matérielle. Donc, réforme dans l'institution, li déterminant pour nous capables au moins mener le pays vers le développement socio-économique. Jodi a une nécessité pour nous dire population, sous qui ça, hein, système politique nous au Brachita, sous qui doctrine, hein, nous-mêmes, dans la nouvelle orientation, nous choisissons. Une doctrine économique. Ce n'est pas normal si aujourd'hui on nous oblige à parler de doctrine politique d'un pays. Ça nous oblige à descendre dans les années 50 avec le docteur François Duvalier. Et là, ça, c'est une doctrine sociale qu'il dit, il y a des noiristes. Mais nous-mêmes, dans la nouvelle orientation, nous disons qu'on a construit un mouvement politique sur une doctrine économique côté nous, le capitalisme social. Pour qui c'est un capitalisme social? C'est parce qu'il nous dit qu'il y a nécessité pour nous protéger l'intérêt classe économique là, pour nous continuer à faire comme hein, légalement, et ceci, dans dynamique d'économie de production, pas dans dynamique d'économie de commerce, acheter et vendre nous là, et nous rassurer nous que nous défendons l'intérêt peuple là tout pour répartition richesse au fait équitablement dans la santé, dans l'éducation. Et la sécurité. Donc, c'est là que nous y est. Et l'étude de la situation paysanne, CPSA, nous-mêmes nous dit, j'en commence à. Qui, l'elle formé à, t'es exprimé, il y a des fois, hein, pour sortir nous dans sa nouille là, nous tous, journalistes, hommes d'affaires, peuple en général, politiciens qui choisissent les bon ici. Donc, mais nous avons gardé notre comportement qui commençait. Exprimer en pile inquiétude parce que nous elles sont bataille politique de CPA donc n'a veillé nous-mêmes pour CPA lui-même pas venir ça moi-même commencer à reler un CGP hein ou du moins un CGP ça veut dire un conseil un CPG conseil présidentiel gouvernemental hein donc j'aime attendre nego a dit que en fonction des compétences chaque nèg qui dans CPA tel secteur revient au de droit n'a dit CPA et n'a dit population que monde qui gagne responsabilité pour la transformer les grandes lignes des actions du CPA en action le gouvernement à travers un leadership qui c'est premier ministre donc attention pour aujourd'hui nous pas gagne un CP qui a rempli fonction de la présidence, en même temps, c'est qui a rempli fonction et gouvernement. Très bien. Merci en pile, Premier ministre Jean-Michel Lapin. C'est calendrier d'action hein, qui est prêt à gagner pour le prendre, hein, qui a mené pays à dans le rétablissement, qui doit mener pays à dans le rétablissement de sécurité. Hein, apaisement social en partenariat avec des groupes dans la société civile là, pour nous capables de créer et mouvance électorale là, hein, programme qui doit venir joindre parti politique yo, ou bien alliance politique yo, légalement identifié puis capable de mettre yo déjà sur le chemin élection. Donc calendrier ça besoin et même j'ai offert pour mémorandum que vous faites sortir pour faire présidence tout le là, de gain signature, tout est membre en CPA et calendrier ça qui va identifier les grands chantiers, hein, qui va joindre primature qu'elle a considéré comme une feuille de route pour la transformer en action, doit
mettre sécuriser dans ça nous régler et la continuité de l'État pour gouvernance tournante de M. Damio, pas à chaque fois à bloquer l'action pour président qui venir après président et Leblanc et pas comprendre qu'il va le mettre en question un ensemble d'actions qui ont commencé et prend. Donc c'est là l'inquiétude nous est. Mais malheureusement, je dis encore, c'est triste pour nous avec toute compétence sérieuse en dedans CPA, malgré une bonne raison que depuis plus que 3 ans, je dis dans le pays, face à problème nous, pas doué gagner une solution politique, parce que solution politique à problème nous, pas de jamais porter aucune solution durable. Hier, Mbakoué, les papes poté le jour et demain, les papes jamais capables de poté là. Alors, les amis, ça dit, moi, chaque coordonnateur président, pas gagner un programme, donc c'est pas le programme et conseil, là. Donc Premier ministre, il tout simplement suivre le programme gouvernement pour toute présidence CPO. Donc, chaque monde, chaque président va venir avec le programme PAYO. Oui, mais il a essayé déjà. Et nous avons 10 ans, il a essayé de prendre l'interview que conseiller Gérald Gilles, notre ami, qui fait sur Magic 9. Côté Lydie lui-même, en tant que médecin de profession, et que le secteur santé a revient de droit. Ça veut dire qui ça? Le secteur santé a revient de droit. Hein? Et donc, ça veut dire tout. L'idée continue pour le dire. Et gouverneur Fridjian, qui a une compétence dans les affaires économiques. Donc, le secteur économique, là, c'est l'équipe qui va régler. Non. Là, et pas qu'à gagner une gouvernance partagée entre les membres et CPO. Donc, il faut qu'ils comprennent et travaillent à partir des calendriers et feuilles de route ça qui va identifier les grandes lignes des actions. Il faut qu'ils connaissent le travail, c'est un conseil des ministres et que les pralier pour y questionner ça, Premier ministre, là, faire ça différents ministres qui pralent gagner pour exécuter et faire de route ça fait. C'est pas eux-mêmes véritablement qui pralent rentrer et en tant que conseiller après les ministres, hein, à droite et à gauche, après les ministres et côté intérêt, ou bien surtout intérêt électoral, hein, après les ministres au public, à courir à faire tout ça là pour moi, parce que là, il y a un électorat important et il y a un monde dans le parti qui est candidat. Donc, il n'y a pas qu'à ça. Donc, je dis, il faut qu'il soit clair que le calendrier, ça a venu, il l'a adopté et il communique à la nation. Alors, quelqu'un là, de choix Premier ministre, choix ministre, vous pensez que vous avez tenu compte de questions d'échange pour conseiller des fonctionnaires, par exemple, qui étaient fonctionnaires dans l'État, dans cette situation là? Bon, ça, c'est compliqué. C'est compliqué, et je dis, on a fait face, effectivement, à ça, nous relève à la gestion publique. Et malheureusement, dans le pays, ça, ils n'ont pas jamais tenu compte, ou du moins, ils n'ont pas accepté que la gestion publique, là, sont sciences liées, tant que toute science. Hein, c'est pas le fait qu'on ingénieur, qu'on capable ministre. Hein, c'est pas le fait qu'on docteur, ou capable premier ministre. Donc, réalité qu'on dégage, les cohésions qui doivent joindre en dedans et en équipe de gouvernance, c'est des bagages scientifiques, c'est des bagages qui existent dans le livre. Donc, c'est apprendre que pour mon apprendre. Aujourd'hui, à nous, on va effectivement, j'aime ça t'expliquer là, hein, et ça doit être fait. Et à partir de août 2024, et ça doit être fait à partir d'octobre 2025. Donc, je dis, est-ce que nous sommes capables de rentrer avec des ministres, avec des premiers ministres, sans que nous pas douter des compétences pour y apprendre, mais ça va avoir 4 à 6 mois pour y apprendre une fonction. Et c'est ça, toujours, malheureusement,
dépend de l'État. Et moi-même, je suis capable de dire non. Je suis capable de dire non en pile de ça, parce que moi, c'est Youn, et un directeur administratif qui était dans l'État, qui passait plus ministre et dans deux gouvernements, gouvernement président Préval avec gouvernement président Joseph Michel Martelly. Donc, durée de vie des ministres, c'est entre 6 à 8 mois qu'il y a. Donc, qui vient au commandé, il y a un monde qui vient dans la structure, qu'il n'y a pas connaît. Donc, le temps pour comprendre au statut structure, ministère. Donc, ça a déjà pris 6 mois et c'est le ça, il y a changé. Donc, là, je dis à faire des charges là. Et moi, je pense que c'est un gros débat pour qu'il fait sur ça. Parce que des charges sont chaînes de responsabilités liées et responsabilités ou pas même. Mais généralement, ils ont toujours mis toutes les responsabilités à ce ministre-là, ce directeur général, il s'agit des entreprises publiques. Mais il est plus que ça. Donc, moi, je pense que d'après la loi, loi qui crée le comptable public, c'est la responsabilité des charges de la sortie, responsabilité de gestion et des fonds du trésor de la sortie. Donc, j'aime te dire hier dans mon émission, ou capable de chercher à questionner une action qui est liée à un détournement de fonds et dans le ministère des Travaux publics. Et puis, il l'a regardé, ce n'est pas le ministre qui est responsable, c'est le ministre financier qui est responsable. Parce que le comptable public là, qui a autorité pour lui refuser une dépense que le ministre fait, si la dépense n'a pas, bien entendu, pas répondre à la norme à procédure, et même loi, ça a dit, seul monde qui est capable d'autoriser la dépense là, dire le ministre financier là, dans un processus, il est passé outre. À la minute que le ministre des Finances l'a produit par ces coûts-là, il est responsable des actions devant le tribunal administratif. Donc, ce sont pas paquet de bagages, c'est pour ça nous-mêmes. Dans le mouvement Nouvelle Orientation, nous proposons à la nation pour nous résoudre le problème ça, définitivement. Ça nous relève au haut commissariat de contrôle d'audit et de décharge aux institutions qui sont indépendantes. Cap là pour questionner toute administration qui n'a trois pouvoirs l'État pour le compte du tribunal administratif de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc c'est ces gens donc effectivement porter une réponse à lutte qui n'a mené contre la corruption. Donc il n'est pas normal que à faire des charges ces commissions bicamérales. Hein, chambre députée, chambre sénat qui doit bailler, qui généralement utiliser attribution légale ça qui au gagné à des fins politiques et les n'a gardé eux-mêmes hein, au niveau chambre députée, au niveau chambre sénat à travers les bureaux chambre qui fait chaque année, ils dépensé 10 fois plus cob que un ministère et 12 mois après ils ont tête de charge hein, sans que pas gagner une enquête technique de la Cour supérieure des comptes sous question. Donc, ce n'est pas normal. Je dis qu'il faut que nous retirions à faire des charges là, dans le circuit ça, pour nous mettre dans le circuit indépendant avec et des mondes qui connaissent ça. Parce que à faire des charges, c'est des tâches spécifiquement techniques. Par rapport avec ça, nous vivons là, Jean-Michel Lapin, comme crise, qui ça, ou pensez que le pays est capable de tirer là-dedans comme opportunité? Opportunité. Je dis à Nabgadé que la crise là permet de nous, effectivement, il y a des valeurs, il y a des compétences. Je te connais avant les peuples, avant les jeunesses dans l'université. Moi, je sais qu'à travers les conseils, il y a des professeurs, ou bien il y a des gens qui étaient professeurs, qui ne sont pas professeurs encore. Donc, il y a des gens qui étaient fait quoi dans eux, politiquement, qui eux-mêmes, si eux ont bien là dans les mains, ils sont capables de résoudre le problème.
Mais je dis à yo mettre tête ensemble parce que faut que nous pas et 9 membres du conseil, you know. Faut que nous au moins nous ta multiplier par 10, hein, pour nous garder ça, c'est ça qu'a fait là les collectifs et les collectifs et à partir membres conseil yo plus monde qui derrière yo et nous garder nous ouais qui bataille là. Et toujours on bataille qui est dans l'opposition. Opposition que nous connaissons dans l'année 2017. Il était l'opposition institutionnelle qui était commencé dans le Sénat, qui l'a vienne prendre et qui était débouché. Et à ça, nous connaissons passé dans le pays, assassinat du président Jovenel Moïse, même opposition ça vient déboucher. Tombé le gouvernement Dr. Ariel Henry et nous ouais des nègres toujours été en opposition. Donc c'est des nègres qui tapent travail effectivement puis au vin côté hier parce qu'il y a plus de 2 ans à parler des bicéphales, hein, et mais sans pour autant ils n'ont pas préparé effectivement à ça y été voulu. Donc moi pas quoi s'il était comme ça. Malheureusement, nous pourrons tomber dans une autre crise. Nous pourrons obliger à faire de l'autre choix parce que j'aime ça dire et déjà à la date du 1er août, si pas un gouvernement en fonction, et si pas un conseil électoral en fonction, donc nous mettons comment ils ont commencé à hypothéquer 7 février 2026. Moi, par contre, nous avons obligé à prendre 33 mois pour nous sanctionner. Et CPA. Donc, pas de aucune opportunité. Pays a tombé dans la crise. Dans la crise plus profonde. Et nous, ouais, ça qui s'est passé dans la commune Grissier et qui continue à passer dans la commune Grissier. Donc, monsieur et dame CPA, pour mes barrières, c'est aller dans la dynamique pour restaurer l'autorité de l'État. Pour être capable de rétablir la parole politique. Parce que parole politique, depuis plus que 5 ans, pas le dire rien encore dans le pays. Ça. Restaurer l'autorité de l'État, ou même au déjouer Walsa, qui était premier ministre, donc chef CSPN, et la situation était déjà compliquée. D'ailleurs, je me suis dit dans une déclaration où tu as parlé de guérilla urbaine, il y a des gens qui étaient en agrappe après. Déclaration ça. Donc, est-ce que Jean-Michel Lapin a fait ça, était capable de faire pour éviter de arriver là, qui sont tes doués faire ou pas de faire, qui permettent que, je dis là, situation est venue. Moi-même, ça. Moi, pense que, moi, malgré critique, c'est le samedi dernier engendré avec des experts en sécurité, et qui après, récemment, entendait certains là-dedans, ont répété exactement samedi dernier. Moi-même, moi, t'ai anticipé, parce que Zach, c'est à partir de un acte qui m'a fait déclaration ça, hein. Quelques jours avant, qui m'a fait des paupières, moi, subi centenaire, il y a un groupe net, hein. Un groupe qui n'est pas identifié, qui fait un va sur Bicentenaire, il tire en haut, il tire en bas, il tire dans le temps, et laisse ça, tu as gagné 3 ou 4 mois avec une quantité de blessés, de monde qui t'a passé dans la machine. Donc, je dis, moi-même, je t'ai qualifié ça comme un acte de guérilla. Gagne espère en sécurité dans un premier temps. Qui dit non, c'est pas ça, moi pas contre Zandabdia, mais moi pense que Jodia là, les Nabgade au niveau international, permettre moi parenthèse, tout ça qui passe sur nos lieux publics, maquette, place publique, l'école, etc. Premier bagaille, Nabgade, les deux terroristes. Hein? Donc même si sont green moon qui commettent. Donc, Mounzao, qui peut-être est aux quantités de 10, 15, 20, hein, pour qui est-ce? Qui est-ce qui était chef? Pour qui est-ce que tu as travaillé? C'est qui ça mouvement? Donc, moi, je pense que dans un moment, moi-même, face à la situation pays, un pays loc, l'école était fermée, même des nommés premier ministre, hein, administration publique, pas fonctionné à 100%. Hein? Et banque
te fermé et dans pays a zone yo te barricadé moun pas capable circuler donc tout le monde est doué conscient pour te voir que dans cadre d'un dynamisme qui m'était développé avec la police nationale d'Haïti moi t'est arrivé de l'autre pays a permettre l'école réouvert permettre l'hôpital de fonctionner permettre l'entreprise privé ou public recommencer fonctionner dans le pays. Donc, moi j'ai fait un pile travail avec la police. Parce que, je veux dire, ma dynation à ça. Je profite des micros pour nous dire la vérité. Ça. Le Jean-Michel Lapin était monté comme premier ministre. Il était réunion la police et qui était en face du palais national. Ce n'est pas une situation qui était facile du tout. Et d'après ça, lui, je vous dis, hein, leadership et directeur général à l'époque là, et M. Gédéon, et qui c'est grâce à leadership lui, qui fait un éclatement dans la police à l'époque ça. Donc c'était une police qui était en face, entourage, président et Jovenel Moïse à l'époque, que nous-mêmes, dans un premier temps, nous avons résolu le problème ça et nous, encore avec la police, nous avons monté un programme de sécurité publique qui était présent dans tout grand axe, hein, surtout grand axe qui reliait Pétionville à Centreville et qui reliait Peignier et ou bien Haut-Tabar à Bas-Tabar. Il était présent sur l'aéroport jusqu'à Collège Canadien haïtien et ceci dans la nuit et pour la journée. Donc, nous avons fait effectivement ça, nous avons tout fait. Et le premier acte qui était passé sous Matissan dans l'affaire détourner un camion marchandises, et la police était présente et elle était rétablie, circulation. Et surtout pour louer sous Matissan. Donc, réalité, il n'y a pas de ça lié aujourd'hui. Moi, je pense que la question, il faut que nous posions à moun qui vient après nous, qui s'est de deux faits, qui n'ont pas de fait, qui mène nous côté de là. Moi, je pense que les affaires de sécurité, et pas de rentrer dans ça, moi, je la continuité de l'État. Et nous venons gagner après tout, au moins stabilité dans le leadership et en de la police nationale d'Haïti. Hein? Et M. Gédéon Allé, qui a commencé à faire un bon travail dans la police là, M. Rameau vini et la police n'a pas accepté M. Rameau, et c'est encore une autre bataille, jusqu'à ce que nous venons gagner. Et non échappé moins l'autre directeur était dans OEA et fait venir donc Léon là l'organien Léon Charles l'organien un changement de leadership en dans institution j'aurais même soit dire pour ministère donc là ça véritablement on prend un pile chambardement un pile problème donc on pas capable de résultat donc moi pense moi-même, ça ne m'a pas parler de tête moi. Donc, action qui était faite, possibilité qui était venue pour le monde circuler, pour l'école qui est réouverte, l'hôpital, banque, etc. Donc, et tout le monde qui t'a suivi la situation est capable de témoigner dans ce sens. Est-ce que Jean-Michel Lapin est favorable avec le déploiement de forces multinationales qui parlent arriver? Oui, mais pour, malheureusement, nous-mêmes, nous ratons l'occasion. Nous ratons un peu le coup de 2017, nous sommes parlé de ça là, hein, à, jusqu'à 2021, nous ratons le coup pour nous-mêmes, nous résoudre le problème là. Donc, nous ratons le coup, effectivement, pour nous faire ça, une réorganisation administrative de la police. Nous ratons le coup. Pour nous créer une force de sécurité publique et de défense nationale, FADH-PNH, parce que de pouvoir parler de défense nationale, là où dans la stratégie militaire. Donc, là où tu as créé la police, là, malheureusement, il n'y a pas de bonne vision d'avenir.
et de la police, nous avons créé une force de sécurité publique qui est différente de une force de défense nationale. Défense nationale pour sécuriser les ports, défense nationale pour sécuriser les frontières, défense nationale pour sécuriser 96 points frontaliers que nous gagnons avec la République dominicaine. Donc, nous ratons comme ça, et malheureusement, encore une fois, donc nous avons besoin d'un coup de main international pour qu'il vienne aider nous à rétablir la sécurité, parce que nous avons fait face à ça qui m'a relé moi-même en industrie criminelle. Hein? Derrière les examens, nous connaissons un pile d'activités économiques à mener derrière ça. Hein? Sortie de kidnapping pour arriver à faire 20 armes et munitions. Donc, ils sont industries criminelles. Nous avons raté coupe, j'aime ça dire là pour nous porter solution à ça. Les grandis. Je dis, nous avons besoin d'un coup de main international dans l'espoir que le Conseil présidentiel là, a créé un haut conseil de sécurité publique et de défense nationale avec des mounes qui forment des garçons, qui ont expérience dans les affaires de sécurité pour qu'ils servent d'interface valable avec la communauté internationale là. Pour faire ça, nous profiter, hein, monter un système de sécurité publique et de défense nationale avec en quantité et en qualité. Parce que pour gagner un système de sécurité publique et de défense nationale, il faut développer en même temps monde ensemble avec base matérielle. Donc je dis à priorité à l'idée de sécurité, pas seulement pour et combattre gang, mais pour aider nous à construire une véritable force de sécurité publique et de défense nationale pour dans 25, 30 ans, 40 ans et même plus, nous ne pas retrouver nous dans la même situation que nous y aujourd'hui. Merci un peu, Jean-Michel.